On a un même qui va arrêter à nous vivre. On dit, bon, nous vous sauver, mais sauf à la rue. Mais sauf à la rue, pas la rue. Mais à ce soir, nous ne pouvons pas travailler sur sauf. Dis sauf, nous ne pouvons pas travailler sur sauf. Ah oui. Allez. Matthieu 19. Soigneusement. Pensons. Soigneusement. Les pharisiens, le verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme? Très bien, oui. Pour l'éprouver. Je viens avec une question pour piéger Jésus. Qui question lui? Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Pour dérépudier sa femme pour un motif quelconque. Regardez, pour un motif quelconque. Est-ce qu'elle a répudié une fille pour un motif quelconque? Regardez bien. Jésus est bon. Jésus parle de vos questions. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme qui dégage ça, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. J'ai ce que vos questions finies. Il n'a pas là. Même séparation. Par un motif quelconque n'a pas là. Nous ne connaissons pas Jésus en Genèse. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront attachés. Le Père lui dit que l'homme va séparer sa bon Dieu. Les deux ensemble. Et puis le film est venu. Dès que c'est des scènes qui sont venus, il n'y a pas campé là. Qui ça en fait? Il y a un verset 7 là. Il dit, ah, sorti là. Mais pourquoi? Donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de lisa, de divorce, et de là répudier, n'a pas les divorces là, et puis n'a foué là. A dit, nous démarrer avec. Nous sommes seulement voué là, non? Mais n'a pas les lettres de divorce et de la répudier. Tu vois? Jésus est bon. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse, non pas Dieu, que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Non, laissez-les pas ça. Il y a quelque chose à l'église.